Là ouais, je suis vraiment crevée, ça fait des mois que je suis sur ma thèse, j'en peux plus quoi. En même temps, ça doit être hyper crevant quoi. Ouais, c'est pas mal de taf, ouais. Ça fait 5 ans que je dépouille des sources, que j'écris, ça fait un an et demi que je suis en train de rédiger, enfin en effet ouais, je suis crevée. Ouais, ouais. Bah tu vois, moi quand tu me dis ça, je me sens un peu comme un imposteur. Bah pourquoi? Ah tu vois, toi t'as une mission d'histoire comme moi, mais moi j'ai pas de formation d'historien, j'ai fait que une année à tout péter quoi. Bah moi je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas de formation audiovisuelle. Hein. Ouais, c'est pas faux. Du coup, est-ce que tu penses que tout le monde peut faire de l'histoire en fait? Vaste question, ça mériterait bien une vidéo, dis donc. C'est vrai. Mes chers camarades, bien le bonjour, je vous présente Manon de la chaîne C'est une autre histoire. Salut. Et aujourd'hui, on a décidé de répondre ensemble à une question à laquelle on est souvent confronté. Est-ce que tout le monde peut faire de l'histoire? Et on s'est dit que ça serait super intéressant d'y répondre ensemble, puisqu'on tient tous les deux une chaîne d'histoire, mais qu'on a un parcours chacun complètement différent. De mon côté, j'ai fait des études audiovisuelles. Hein. J'ai eu un BTS audiovisuel, j'ai fait 7 ans de boîte de prod, monteur, cadreur, réalisateur, et j'ai fait qu'un an de fac d'histoire, donc je suis pas historien de formation. Et moi actuellement je suis en train de finir ma thèse d'histoire, donc je suis historienne, mais pas du tout vidéaste de formation. Donc déjà, pour répondre à la question est-ce que tout le monde peut faire de l'histoire, il faut expliquer finalement en quoi ça consiste faire de l'histoire. L'histoire, c'est l'exploration du passé. C'est une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. C'est la science de la reconstitution du passé de l'humanité, sous un aspect général ou spécifique, selon un lieu ou une époque, et ça permet de comprendre d'où on vient et de mieux appréhender où on en est maintenant. Mais attention, certainement pas de prédire le futur, d'y réfléchir éventuellement, éventuellement aussi de tirer des leçons du passé, mais attention, ça n'est pas le but premier de l'histoire et ça sort de ses plates-bandes. Oui, et du coup le travail de l'historien finalement, ça consiste à questionner les sources historiques, c'est-à-dire les traces humaines du passé que l'on peut collecter, et celles-ci elles peuvent être extrêmement variées. Hein. Ça peut être des objets de la vie quotidienne qui nous sont parvenus, des documents administratifs, des écrits littéraires ou artistiques, des œuvres d'art, des documents de presse, des fossiles, des éléments architecturaux même, des photographies, des monnaies, enfin bref, toutes choses provenant de la période, de la zone et de la thématique qui concernent le sujet. Et d'ailleurs, souvent, l'historien travaille à partir des recherches que d'autres disciplines ont produites sur ses sources, notamment l'archéologie. L'historien les analyse en questionnant leur contexte de production, donc qui les a créés, dans quelles intentions, pour quel destinataire, dans quel contexte politique, social, etc. Et il recoupe ces documents entre eux pour essayer de dégager une analyse et de comprendre au mieux ce qui s'est passé, quelles idées étaient véhiculées à l'époque, comment les gens vivaient, comment ils se sentaient, etc. Il faut avoir de la méthode, trouver des sources pertinentes, les interpréter avec justesse, en replaçant ensuite les faits les uns par rapport aux autres, en définissant leurs causes et leurs conséquences potentielles. Et du coup, il faut bien s'en douter, ça demande des compétences précises tout ça, et donc une formation d'historien. Et là-dedans, y a une méthodologie qui est propre à l'histoire, c'est pas du tout inné, et il faut pouvoir vraiment tirer un maximum des sources sans leur faire dire n'importe quoi. Le but, c'est vraiment d'approcher un maximum de ce qui s'est passé, même si parfois, faut bien reconnaître, on peut faire que des hypothèses, c'est comme ça, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, et d'ailleurs, on n'a pas forcément tous les éléments ou toutes les techniques nécessaires parfois pour approcher cette vérité. Le but, c'est donc de présenter toutes les hypothèses possibles sans prendre parti et éventuellement d'en mettre une en avant lorsque le matériau permet de le faire. Oui, d'ailleurs, c'est une science qui se perfectionne avec le temps, et aussi les nouvelles technologies. Oui, en histoire, on utilise des logiciels divers et variés pour répertorier, analyser, classer les sources, on utilise des bases de données de plus en plus immenses. Avec Internet aussi, par exemple, on a accès à beaucoup plus de choses et de publications qui se trouvent partout dans le monde et qui n'étaient pas forcément faciles d'accès avant. L'archéologie, mais aussi la sociologie, l'anthropologie, etc. nous permettent aussi de faire des nouvelles découvertes, d'enrichir les contenus, parfois de contredire ce qui avait été établi avant. Oui, et d'ailleurs, chaque nouvelle étude dresse le tableau d'un pan du passé qui s'imbrique dans le réseau de ce qu'on connaît déjà. Parfois, on va le préciser ou même le contredit. Et ça, c'est ce qu'on fait finalement dans l'histoire. Il faut aussi connaître l'état de la recherche sur le sujet qu'on traite, se positionner par rapport à ce qui a été fait avant pour
toujours apporter quelque chose de nouveau. Et les sujets d'études sont infinis, hein. Les courants historiques ils se sont structurés avec le temps, et ils ont beaucoup évolué. Depuis longtemps, par exemple, on se soucie plus de faire uniquement l'histoire des grands personnages, coucou des Stéphane rois de France. Oh. Ouais. Mais bon, aussi étudier l'habitude des gens, traiter des sujets qui paraissent moins nobles, comme la prostitution au Moyen-Âge, c'est ce qu'on fait. Ouais, carrément, j'ai une copine qui bosse là-dessus d'ailleurs. Et en effet, la discipline a bien évolué depuis ses débuts, dès l'Antiquité, pour se structurer en discipline scientifique à partir du 19e siècle. Les premiers ouvrages ressemblaient parfois plutôt à des mémoires et étaient très subjectifs. On se souciait surtout de la qualité du style et de produire un ouvrage moralisateur. Petit à petit, on a essayé de se détacher de ce ton-là pour tendre vers un maximum d'objectivité. Alors, l'objectivité totale, c'est illusoire, même si on essaye d'avoir un maximum de détachement vis-à-vis de son objet d'étude, quand on est historien, on est forcément biaisé par son éducation, ses convictions, ses centres d'intérêt. Pour autant, il y a une nuance éthique avec le fait de détourner volontairement les faits. Donc, en faisant de l'histoire, on essaye d'échapper à ça, mais l'objectivité totale n'existe pas. Mais même dans un dictionnaire, ça n'existe pas. Si tu accordes deux fois plus de texte à la notice sur Ravel qu'à celle de Brahms, c'est déjà une forme de subjectivité, même juste en énonçant des faits. Mais c'est quand même autre chose que d'écrire un pamphlet sur la musique de Brahms qui a été longtemps considéré comme injouable. Alors, du coup, vous l'aurez compris, faire de l'histoire, c'est pas vraiment la même chose qu'apprendre par cœur qu'apprendre un maximum de dates, de faits, ça fait pas de vous un historien, ça fait de vous un érudit, et c'est pas la même chose que parvenir à reconstituer le passé en tâchant d'approcher au maximum du passé tel que le montrent les sources. Sinon, c'est comme si on disait que faire de la médecine, c'était juste pouvoir réciter les noms des organes. C'est absurde. Bref, ça demande un savoir-faire scientifique, et c'est comme ça qu'on fait la différence entre les passionnés, finalement, et les historiens. Et on voit souvent, d'ailleurs, des contributions à l'histoire locale ou familiale avec un épinglage de faits minutieux, mettant sur le même plan tout type de documents, signalant par exemple avec scrupule toute la liste des noms qui ont servi à retaper la clôture de l'église de Saint-Pimpin-les-Oies le 18 août 1966. Alors, non pas que ces travaux soient à prendre de haut ou avec mépris, c'est pas du tout la question, c'est juste que ils ne relèvent forcément pas de la méthodologie scientifique et ils n'ont pas le même statut ni le même intérêt. Donc, pour répondre à notre question, non, tout le monde ne peut pas faire de l'histoire au sens produire du contenu scientifique en histoire. Il faut être historien, il faut avoir une formation. Après, c'est pas forcément par le parcours universitaire qu'elle se fait, entendons-nous bien, et il y a des super travaux de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc moi, en tout cas, ce que je fais dans le cadre de ma thèse, c'est faire de l'histoire, mais ce que je fais sur YouTube, tout comme Ben, c'est pas faire de l'histoire. Et non. Après, Manon, on peut peut-être être un peu moins psychorigide sur la définition de ce que c'est faire de l'histoire, finalement. Mais ça va, tu te calmes, hein. Enfin, je sais pas, je veux dire aussi que faire de l'histoire, ça peut être... ça peut avoir un sens plus large, peut-être, faire de l'histoire en cours, à la télé, à la radio, dans la presse, sur YouTube, par exemple. Oui, ok. Mais dans ce cas-là, on fait pas de l'histoire au sens faire de la recherche, d'accord, mais on transmet un savoir. Et dans ce cas, c'est faire de la vulgarisation. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde peut faire de la vulgarisation ? Moi je dirais que non, non plus, puisqu'il faut que ça soit bien fait. Oui, et c'est vrai, et pour le coup, souvent les chercheurs sont des très mauvais vulgarisateurs. Alors, comment bien vulgariser ? Ça mériterait une autre vidéo. Une autre vidéo, dis donc. Ouais, ça tombe bien, on l'a fait sur la chaîne de Manon en plus. Venez voir. Ouais, c'est vachement bien, allez. Ouais, du coup, est-ce que tu penses que tout le monde peut vulgariser ? Presque tout le monde, s'il n'y a pas de tondeuse.